La cour impériale de Niki, une fois encore, vibrait au rythme des sons et danses traditionnelles. C'était le jeudi 5 octobre 2023. La vice-reine Meiyon Kogi est à l'honneur. Elle célèbre sa gagne, après celle de l'empereur Son Altesse Siro Turotokosari. Pour la circonstance, l'organisation internationale qui lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde, en travaillant aux côtés des femmes et des filles, CARE International Bénin Togo, a été invitée par la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabitalata, pour assister aux manifestations festives, dont la première édition des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders du Bénin. Tout est parti d'un atelier qui se tient pour sa première édition et qui voudrait tisser l'ancienne corde ou la nouvelle corde à l'ancienne, ce qui serait très agréable si cela devenait une réalité. Et c'est l'objectif de notre présence ici parce que CARE intervient dans le leadership féminin à divers niveaux, que ce soit au plan politique, au plan économique, au plan social, pour ne citer que ces domaines d'intervention. Et puisque l'objectif de notre présence ici, c'est comment tisser la nouvelle corde à l'ancienne sur le plan du leadership politique, féminin bien sûr, et nous nous sommes réjouis associés à cette initiative de la vice-présidente de la République. CARE International Bénin Togo a exprimé sa joie et satisfaction face aux efforts de la vice-présidente Atalata dans son combat pour la promotion du leadership politique féminin et la protection des droits des femmes et des filles, dont celui de la reconnaissance du leadership traditionnel sensible au genre. L'organisation a fait un plaidoyer. C'est déjà de remercier la vice-présidente de la République qui a accepté d'être une championne de CARE auprès de différentes communautés, notamment sur les questions de violences basées sur le genre. Et dans ce cas-ci, c'est des violences basées sur le genre politique. Et le plaidoyer, c'est qu'ensemble, nous puissions faire inscrire dans les différents curricula l'histoire de la Tassirambe et de la Nyonkogi. CARE Bénin Togo a renouvelé son engagement, tout comme la vice-présidente pour la protection des droits des femmes et des filles, et mieux encore son accompagnement pour les prochaines éditions de la GANI, de la vice-reine Meiyon Kogi. Nous voudrions renouveler notre soutien à la vice-présidente de la République, qui est l'initiatrice de ce magnifique programme qui nous réunit et que CARE ne ménagera aucun effort pour être à ses côtés chaque fois et toutes les fois, et encore plus aux côtés de la Nyonkogi, et participer à la vulgarisation de ce en quoi la Nyonkogi est puissante, je dirais, en termes de leadership sur tous les plans. L'organisation humanitaire internationale CARE Bénin Togo soutient ainsi le thème Hier, aujourd'hui et demain, toujours tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, aux côtés de la vice-présidente Mariam Chabitalata.